Bonsoir. Ce soir, nous allons parler des arbres et de l'importance qu'ils ont pour nous. Nous sommes à Madagascar, dans l'océan Indien. Et si j'ai choisi de venir ici, c'est que cette île connaît une déforestation intensive très ancienne, mais malheureusement toujours d'actualité. Mais surtout, Madagascar a pris conscience de ce problème d'une façon sans doute unique au monde. Pourquoi les arbres sont-ils depuis toujours un symbole universel de force, de sérénité, de sagesse? Sans doute parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Imaginez que l'arbre le plus vieux du monde a 4700 ans. Il a vu passer près de 200 générations d'hommes. Mais malgré ce respect, depuis que l'homme est arrivé sur la Terre, il a détruit 50% des forêts de la planète. Mais aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas les 50% des forêts qui ont disparu, c'est ce qui reste. Et c'est pour ça que dans cette émission que j'aimerais résolument optimiste, nous allons partir à la rencontre de ceux et de celles qui se consacrent à la protection de ce patrimoine essentiel à la vie que sont les forêts. Au cœur de l'Amazonie, Sidney Pozuelo. Il part à la recherche de tribus indiennes qui n'ont jamais eu de lien avec notre civilisation. Chaque fois que l'homme blanc entre dans leur univers, il crée des conflits, des batailles, des morts, des maladies et de l'incompréhension. Il doit établir avec eux un premier contact pour les protéger.